On va parler des beaux livres. Oui. Oui. On va parler de Wildlife, c'est l'occasion. On va dans la continuité. Alors, il faut savoir, c'est que on évoquait tout à l'heure un peu avec certaines personnes pendant la pause déjeuner. Le beau livre aujourd'hui, c'est un marché qui est très compliqué dans le monde de l'édition. Pour différentes raisons, mais la principale, c'est qu'on est aujourd'hui dans une société qui est saturée par l'image. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, présenter un beau livre de photos, c'était quelque chose d'exotique. Ça sortait de ce qu'on voit tous les jours. Aujourd'hui, vous êtes abonné à un compte Instagram, un compte Facebook, vous êtes inondé de photographies qui relèvent du niveau de ce qu'on publie dans le wildlife photographe. Ouais. Donc, il y a cette banalisation de l'image. Et puis, l'autre phénomène, c'est que la démocratisation de la photographie numérique fait que d'une discipline qui était très élitiste et réservée vraiment à quelques photographes pionniers, c'est devenu quelque chose de très démocratique. Tant mieux. Oui. Ah oui, complètement. C'est pas, je regrette rien. Ouais. Parce que la nature donne pas rendez-vous pour... je suis pour que tout le monde s'intéresse à la nature et puis, à travers la photographie, puisse vivre une expérience qui est... La photographie transcende. Et elle nécessite aussi, pour celui qui veut faire la photo, de changer de façon d'approcher la nature. Prendre le temps. Oui. Voilà. Moi, quand je vais me balader en famille, je suis 1 kilomètre derrière la pompe, parce que je me suis arrêté 2 fois pour faire une photo, mais je me retrouve tout seul, quoi. Les naturalistes doivent vraiment remercier leur conjoint, parce que c'est une galère. L'organisation des vacances, c'est souvent... et pourquoi on passe par là? Oh, je sais pas. Mais si, je sais très bien. C'est pour ça qu'on est venu ici. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, mais genre... Oh, c'est pour non, ça. Mais après, ils connaissent des coins incroyables. Ils connaissent des spots. C'est vrai. Mais ils le réalisent un peu plus tard. Ouais. Voilà. C'est pas facile à apprécier. Pourquoi on a marché 3 heures pour venir voir un papillon? Non, voilà. Ce que je veux dire, c'est aussi... là, on parle du temps... Mais je pense que cette démocratisation, elle permet peut-être aussi le hasard, qui peut-être permet des rencontres. Ah oui. Parce que je pense qu'un naturaliste, même s'il a du temps, il va peut-être pas rencontrer ce qu'il allait chercher. Quoi. Pour des raisons de saison, pour des raisons d'heure, pour des raisons... je sais pas, je pense qu'il y a plein de... On va pas arriver sur la photo, parce que là, on est parti pour l'après-midi, mais c'est un vrai sujet. Ouais. Le thème que je voulais aborder, c'était le fait que... Donc beaucoup de photographes aujourd'hui ont un véritable talent, exposent leurs photographies à travers des expositions à travers la France. Il y en a tous les week-ends organisés un peu partout en France. Et tous ces photographes-là éditent aussi à compte d'auteur des ouvrages de leurs photos. Donc il y a une offre aussi éditoriale. Ils n'ont peut-être pas aussi qu'une culture photo, qui se jettent dans l'exploration aussi. Enfin, il y a de tout. Ouais. Il y a de tout, mais il y a une grosse diversité. En tout cas, il y a une multiplicité de l'offre en termes d'ouvrages, notamment dans l'auto-édition. Ce qui fait que pour les éditeurs, la place s'est un petit peu resserrée et c'est devenu difficile de commercialiser des volumes. Néanmoins, je vais vous en présenter quelques-uns qu'on a quand même pris le choix éditorial de publier. Mais dans ce que vous dites, c'est un photographe qui a un monde à part entière en photographie, il va s'auto-éditer plutôt que se faire éditer. Alors... Prenons l'exemple de Philippe Legault, par exemple. Ouais. Ce photographe... Quelqu'un qui édite tout seul, il n'a pas le réseau de distribution, de diffusion. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que la personne qui s'auto-édite, souvent c'est parce qu'elle n'a pas réussi non plus à trouver d'éditeur. C'est la poule et l'œuf, les deux sont liés. Nous, on a choisi d'éditer certains beaux livres, parce qu'ils se dénotaient complètement de l'offre classique. Là, Philippe Legault, il maîtrise une technologie photographique qui nous permet de rentrer dans l'infiniment petit. Voilà. C'est son sujet de prédilection, les collemboles, vous ne savez pas ce que c'est, moi j'en ai pas vu souvent non plus, mais si on va se balader là, dans les 3 carrés de mètres carrés de verdure qu'il y a dans le jardin derrière, on va certainement en voir sur les feuilles mortes, mais ce sont des animaux qui font moins d'un demi-millimètre, donc ils passent totalement inaperçus, quoi. Donc lui, il nous fait entrer dans l'intimité de ces bestioles, et puis c'est associé avec Jérôme Corté, c'est un scientifique qui travaille au CNRS, qui travaille notamment sur les collemboles, sur les sols, sur la vie des sols, Et donc, ils nous font entrer dans l'intimité de ces bestiaux. Donc, à travers un livre qui est... Un monde, quoi. Un monde, complètement. On l'a appelé Planète Collembole. Hein. C'est un voyage extraterrestre. Ouais. Alors là, on pourrait être dans des choses qui seraient inventées. Ce serait pas moins délirant. Un monde invisible à l'œil nu. Complètement. Avant, mais au fond du jardin. Ouais, voilà. C'est pas sous les tropiques ou ailleurs. C'est vraiment au fond du jardin ou dans une vieille boîte de fromage. Hein. Ouais. Donc on navigue dans ce monde complètement inconnu, et puis avec des textes qui nous expliquent la biologie de ces espèces, comment elles vivent, comment elles se reproduisent. Et on n'est pas avec un microscope. Non, là on est encore dans les choses qu'on peut voir à l'œil nu. Okay. Ouais. L'appareil peut capter. L'appareil peut capter. Ouais. Voilà, Planète Collembole. Un autre exemple de beau livre. Alors là on est dans des choses que vous voyez tous les jours. Des coccinelles, des bourdons, des abeilles, des sauterelles, mais en vol. Et là, on est face aux limites de notre physiologie de singe. C'est qu'on traite, vous le savez, 24 images secondes. C'est-à-dire qu'au-delà, notre cerveau, on ne fait plus la différence. Quoi. Ben, lorsque vous voyez une abeille en vol, vous voyez des zzzz, et puis... on ne voit pas plus de choses que ça, donc on n'arrive pas à traiter plus d'informations que ça. Et donc Ghislain Simard... Alors qu'aujourd'hui on sait qu'elle vibre, dans le langage qu'elle envole, on sait qu'elle... Ghislain Simard, lui, il a développé une technique photo qui permet d'atteindre des vitesses d'obturation très très courtes, qui permettent de figer en fait des instants de vie de ces animaux, et de nous les proposer à la vue. Voilà, le bond d'un criquet, ça dure une fraction de seconde, le temps que vous avez réalisé est déjà posé. Donc, bah, lui, il a mis en place un système avec un boîtier photo très particulier. C'est toute une technique. Alors, pour les fanatiques de photo, c'est un monde à part, hein, avec des flashs, des barrières infrarouges, qui lui permettent de saisir ces instants de vie. Quoi. Voilà. Papillon en vol. C'est plein de poésie. Alors là, il y a un travail de mise en scène, de qualité des cadrages. Puis alors, ce qui est absolument dingue pour le maquettiste, c'est qu'il travaille avec un boîtier moyen format. Donc nos amis capteurs d'images savent ce que c'est. C'est-à-dire que en fait, là, on est sur des cellules qui sont en 24-36, 24 mm par 36 mm. Lui, c'est du 9 cm par 9 cm. Alors qu'il y a une quantité d'informations qui est prise en un moment. Cette photo-là, on peut en faire un poster de 4 mètres par 4. Donc on a un niveau de détail et de précision absolument dingue. Encore une fois, avec l'image, on essaye d'associer aussi des légendes qui donnent de l'information, et puis des développements, par exemple sur la migration des papillons. Alors, les papillons volent, mais savez-vous qu'il y a certaines espèces qui sont migratrices ? Les papillons. Probablement pas. Le monarque qui va jusqu'au Mexique. Voilà, donc aux États-Unis, il y a le monarque qui est bien connu, enfin l'Amérique du Nord. Qui vient du Canada jusqu'au Mexique. Mais le vulcain ou la belle dame hein, que vous avez dans votre jardin, là, c'est à cette époque, si vous avez des astères ou voilà, cette espèce-là, quitte le Maroc au printemps et en plusieurs générations arrive jusqu'aux îles britanniques. Sur plusieurs générations. Ouais, ouais. Le problème est là. Ouais, ouais. Le vrai problème de fond est là. Là, il y a quelque chose à creuser. Génération de papillons, c'est combien de... Ah bah, la femelle pond, la chenille va mettre une vingtaine de jours à se développer, elle se transforme. Sur un mois et demi, on a un nouvel adulte. Quoi. Il va poursuivre le voyage, oui. Pondre de nouveau, et puis ses descendants vont encore remonter. Et à l'automne, par contre, ils redescendent d'une traite depuis la Suède jusqu'au Maroc. Quoi. D'une traite, là, sans arrêt. Ouais. Enfin, non, ils vont faire des petites pauses comme ça. Ouais, mais étonnant, étonnant. Ouais. On sait pourquoi. Il y a des problèmes d'inné, d'acquis, là-dedans. C'est lié à l'histoire de l'Europe. Alors là, il faut remonter à la géologie, aux glaciations. Mais voilà, c'est durant cette époque où la nature s'est contractée, chassée par les glaces et donc est descendue vers le sud, on a cet héritage-là qu'on retrouve chez plein d'espèces, chez beaucoup de plantes. Dans leur répartition, dans leur comportement. Les oiseaux migrateurs, ce sont des espèces qui ont soit colonisé l'Europe à partir de l'Afrique, soit des espèces européennes qui ont dû intégrer un passage par l'Afrique pour échapper à la mauvaise saison. Et refaire ce parcours, c'est entretenir une capacité de résistance de survie, tout simplement. Ouais, ouais. Comme nous l'a enseigné Darwin, hein, ouais, ouais. C'est de transmettre le maximum de descendance, quoi. Mmh. Hein, donc, réussir, entre guillemets, sans porter de jugement, qui que ce soit, réussir sa vie, c'est avoir des enfants. C'est transmettre ses gènes, hein, c'est... C'est le sens du vivant, quoi. Je crois que c'était une Rolex, moi. Je suis complètement à côté. C'est dépassé. Vous essayez de transmettre vos gènes dans une Rolex. Le problème de la Rolex, c'est qu'elle évolue pas, quoi. Ouais, ouais, mais bon. Elle saura pas s'adapter. Il a donné à votre fils, quoi. Non, c'était choquant. Moi, quand j'étais à l'université, le prof de génétique, au premier cours, il interroge son amphi d'étudiants, il y avait, je ne sais plus combien, 800 étudiants, enfin c'est jeunes étudiants, un peu encore frais, quoi. Savez-vous pourquoi vous êtes là? Pour apprendre les sciences. Ouais, c'est une question. Non, c'est pour être en mesure de pouvoir élever des enfants. Il n'a jamais eu la vie, quoi. Et il dit, voilà, l'essence de vie d'une bactérie, c'est de faire 2 bactéries, quoi. Et vous, d'avoir des enfants et de transmettre la vie, parce que voilà, sans cette transmission, il n'y a pas d'évolution, quoi. Donc il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas de... la vie ne peut pas durer, quoi. Bon, ça va faire du philo. Non, très bien, très bien. Pourquoi la mort était nécessaire. D'autres beaux livres ou passe aux collections? Je ne sais pas quelle heure il est. On va peut-être faire passer l'île des fleurs. Oui. Le travail de Franck Le Driant. C'est un nouveau dans le sac à dos. Ouais, mais en même temps, il est souple, du coup, c'est pas mal, je trouve. Ah ouais. Ouais. Je vais vous présenter 2 livres. On va parler un peu de géologie. Je te le passe. Je vais vous présenter 2 livres. Comment aborder la géologie auprès du grand public. C'est un monde très obscur qui fait appel à des notions de temps qui nous échappent complètement. On parle de millions d'années, de milliards d'années. C'est très très compliqué. On a édité ce livre avec un auteur qui s'appelle Jean-Claude Bousquet. Alors là, c'est l'exemple du livre où il y a un auteur qui vient sonner à la porte, monsieur qui a 82 ans. Qui a fait toute sa carrière à étudier les séismes en Méditerranée, qui a un véritable talent de pédagogue, et qui nous propose un livre quasiment écrit, on l'a fait évoluer ensemble, mais à la marge, et qui nous présente ces phénomènes géologiques, avec des diagrammes en 3D qu'il a dessinés lui-même, des cartes avec des exemples pris à travers le bassin méditerranéen, qui nous présente aussi l'histoire de ces sciences, qui ont été les premiers scientifiques à s'intéresser, à essayer de comprendre les volcans, comment ils ont été représentés à travers l'Antiquité. C'est absolument passionnant. J'aurais rêvé d'avoir ce type de bouquin quand j'étais gamin pour faire des exposés. Au collège, parce qu'on apprend vraiment énormément de choses, et puis de façon presque insidieuse, on rentre dans des choses assez complexes, parce que comprendre comment fonctionne un séisme, c'est pas simple du tout. Ouais. Un tsunami, voilà, il y a eu des tsunamis en Méditerranée, pas aussi fulgurants que ceux qu'on peut avoir dans le Pacifique, mais lorsqu'on s'intéresse à l'archéologie, on se rend compte qu'il y a des... Par exemple, Pompéi, il n'y a pas que des volcans, il y a aussi des tsunamis. Donc, c'est absolument passionnant. Et donc, voilà, c'est un exemple d'ouvrage dans lequel, d'un point de vue éditorial, on se laisse tenter, même si on sait que, voilà, bon, vraisemblablement, on n'arrivera pas à faire autant que Michel Houellebecq, mais néanmoins, pour nous, c'est le type d'ouvrage qui se doit d'exister. Voilà, oui, et puis c'est pas l'éternel ouvrage des plus beaux volcans. Non. Voilà. Non. On est plus dans... Oui, c'est pas les... On est dans une approche encyclopédique, quoi. Ouais. Ouais. Là, c'est un autre ouvrage de géologie, alors qui se rapproche plus, j'aurais peut-être dû commencer par celui-là, du beau livre. Donc Patrick Deveder, c'est un paléontologue du Muséum de l'histoire naturelle qui a passé toute sa carrière à étudier des fossiles qui constituent les roches, notamment les calcaires. Et ce sont des fossiles qu'on ne voit pas la nuit. Il faut un microscope, et encore mieux un microscope à balayage électronique, pour réussir à étudier la structure de ces microfossiles. Donc son livre s'appelle Merveilleux microfossiles. J'ai passé toute ma carrière à observer ce genre de choses. C'est absolument dingue. Et je voudrais partager... C'est quoi, c'est du plancton Alors c'est exactement ça. En fait, ce sont des organismes planctoniques qui vivent dans les océans. Et lorsqu'ils meurent, ils sédimentent au fond des océans. Et ce sont leurs squelettes, siliceux ou calcaires. Aussi infiniment petits qu'ils soient. Tout petits. Mais ce sont des quantités phénoménales sur des durées géologiques, encore une fois, qui nous échappent. Ouais. Et qui font qu'on arrive à avoir des couches de calcaire qui font plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres d'épaisseur. De ce genre de bestioles. Unicellulaires qui ont peuplé les océans. Alors, son livre, il est construit en plusieurs parties qui nous racontent, d'une part, l'histoire de la Terre à travers ses roches, la diversité Vous voyez, ça, ce sont des photographies en microscopie électronique hein, de ces squelettes d'organismes, de ces fossiles. Et puis, c'est quand même incroyable, on croirait des sculptures d'art contemporain. Et puis ensuite, il nous explique à la fin du livre comment ces structures, qui sont quand même connues depuis la fin du 19e siècle, ont inspiré l'art nouveau. Je ne sais plus comment s'appelle cet architecte qui a conçu les entrées du métro à Paris. Et le palais d'exposition Guimard, c'est ça. Ben, en fait, c'est inspiré des découvertes de l'époque qui étaient totalement novatrices. Voilà, des exemples de baroques qui sont inspirés de squelettes. Donc là, c'est quelqu'un qui est rattaché au musée d'histoire naturelle, mais ce matin, on l'a évoqué, je sais pas, on a dit qu'on attendait cet après-midi justement pour en parler. Comment ça s'organise, comment ça se fabrique une collaboration avec un musée, enfin le musée d'histoire naturelle, le musée des Confluences? Est-ce que c'est pareil? C'est eux qui viennent? C'est vous qui allez? C'est une expo? Je vais vous répondre. Là, c'est un auteur. Hein, oui, là, c'est l'auteur qui est venu. Ouais. Lui, il était au seuil de la retraite. Il voulait transmettre sa passion, sa connaissance. Alors ensuite, pour vous répondre, on a deux cas de figure. Un auteur vient me voir et il me dit « J'ai un projet, je voudrais faire une flore de Mayotte. » Alors, super, une flore de Mayotte, ça va combler un vide de connaissances. Pour les gens qui travaillent dans la conservation de la nature à Mayotte, ça va être un ouvrage de référence incontournable, nécessaire, indispensable, mais ça va intéresser quelques centaines de personnes. Donc moi, éditorialement... Ça rentre dans mes collections, mais je ne peux pas supporter financièrement parce que ça va être une opération à perte. Donc, quelque part, la logique, c'est que... Trouver un cofinancement. Je ne vais pas utiliser de grands mots, hein, mais ça relève d'une mission de service public d'éditer ce bouquin. Donc, je vais me rapprocher du Muséum d'histoire naturelle de Paris, en leur soumettant ce projet, qui, eux, vont l'analyser d'un point de vue scientifique, juger la qualité, le sérieux de l'auteur, et on va le coéditer. Donc, je ne l'ai pas amené, là, mais La Flore de Mayotte, c'est un beau livre, un grand livre... qui recense toutes les plantes de Mayotte, qu'on a édité il y a 2-3 ans, qui est une coédition avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris. On a publié presque une cinquantaine de livres en collaboration avec le Muséum, qui relèvent de ce genre d'ouvrages, notamment pour tous les domaines tropicaux, sur lesquels il y a un besoin en termes de publication. Qui enrichissent une bibliothèque scientifique, mais pas... commercialement, c'est pas... non, commercialement, c'est pas bien. Et donc, la collaboration, ça peut être ça, déjà, c'est une mission un peu scientifique. Voilà. Après, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Ouais. C'est-à-dire que ces organismes scientifiques, leur métier, c'est pas de faire des livres, c'est d'acquérir la connaissance, et ensuite, ils vont venir nous proposer des collaborations pour éditer des livres. J'ai un bel exemple là, qui vient de paraître, c'est encore tout chou, il sort de la presse. en automne. L'Atlas des oiseaux migrateurs de France. Donc là, c'est un projet qui est mené par la Ligue pour la protection des oiseaux, le Muséum de l'histoire naturelle de Paris. Et ils ont fait la synthèse de toute la connaissance qu'on avait de la migration des oiseaux. Donc ils ont compilé 100 millions de données qui sont issues de programmes scientifiques, de suivi satellite, de bagages, de sciences participatives. Donc ils ont réussi à amalgamer, capitaliser toutes ces informations et à nous proposer un ouvrage qui est absolument incroyable, qui présente pour chacune des 320 espèces d'oiseaux qui traversent la France à un moment ou un autre de leur cycle biologique. Ça, c'est... on parlait du guide... ça, c'est une première dans l'édition scientifique. Enfin, en langue française, oui. Ouais. Puis, il y aura pas de suivant, en fait. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même entré dans l'ère du numérique. Sans doute que les prochaines versions, ce seront des atlas en ligne qui seront mis à jour au fur et à mesure. Mais le travail d'écriture, ça reste propre au livre. C'est-à-dire que le travail qui était nécessaire, il y a eu 300 auteurs là, qui ont collaboré à l'écriture du livre. Ouais. Donc, internationalement essentiellement français et un petit peu d'international. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de collaboration, on va dire, institutionnelle et éditeur. L'ouvrage sur les poissons d'eau douce de France que j'ai évoqué tout à l'heure relève aussi de cette collection et de ce partenariat. Ça permet de comprendre des choses sur les migrations qu'on n'avait pas pu observer au départ, parce que c'est vrai que parfois on dit aujourd'hui une maladie, le fait qu'on ait beaucoup de statistiques, ça permet de travailler sur la prévention, ça permet de mieux comprendre. C'est pareil pour les migrations d'oiseaux, toute cette observation, ça amène aussi un autre regard sur ce que peut être la migration. Et... Alors déjà, ça permet de comprendre des phénomènes qui, pour l'instant, nous échappaient. Il y a des espèces d'oiseaux encore là, aujourd'hui, hein, on sait qu'elles partent, on sait qu'elles reviennent, on sait exactement où elles nichent, on sait combien en Europe, mais on ne sait pas où elles vont en Afrique. C'est quelque part en Afrique centrale, mais on ne sait pas où. D'accord. Voilà. Donc on leur pose des... Alors, grâce à au développement technologique et la miniaturisation, on arrive à leur poser des toutes petites balises, parce que ce sont des oiseaux, pour certains, qui pèsent à peine plus d'une dizaine de grammes. Donc on ne peut pas leur foutre une balise Argos, et ils ne peuvent pas voler, quoi. Donc, très récemment, l'évolution technologique a permis d'équiper certains oiseaux, mais il y a encore des espèces sur lesquelles il y a des points d'interrogation, hein, on ne sait pas trop, quoi. Et, alors ça, c'est un des auteurs là, qui l'écrivait sur le chamois. La conclusion est très belle, c'est presque qu'on pourrait l'écrire dans tous les livres, mais on en parlera tout à l'heure de cette collection. Il a étudié pendant toute sa carrière les chamois dans le massif des Vosges, et il conclut que plus il lançait sur les chamois, plus il se rend compte qu'il ne lançait pas. Parce qu'à chaque fois qu'il pense avoir été arrivé au bout d'un truc, les questions que soulèvent ces découvertes sont encore plus nombreuses que celles qui se posaient au départ, quoi. Pourtant, petite population... Enfin, ouais, non, mais c'est maîtrisé. Ils ont tous des colliers, ils sont suivis individuellement, et on a les cartes, on sait heure par heure où ils sont, combien de petits la femelle, quelles sont l'ascendance généalogique de tel chameau, etc. On sait tout. Ouais, on les a suivis. Mais pourquoi cette femelle passe ces mois-là en été et l'hiver ici, et puis celle-là, elle reste là toute l'année? Des fixations qu'on a du mal à expliquer. On faisait des généralisations. On disait le chamois est un animal qui fait comme ci, qui fait comme ça. Cet oiseau est sédentaire, celui-ci est migrateur. Ouais. Quand on les individualise par du marquage, on se rend compte qu'ils sont aussi diversifiés que vous et moi. C'est-à-dire qu'ils ont des caractères. Il y en a qui sont peupeux. Il y en a qui vont être avec un sentiment explorateur. Et on ne sait pas pourquoi. On va comprendre le rapport à l'espace qui est plus varié. Voilà. Et on va se rendre compte de la diversité. En fait, la diversité s'exprime à travers ce qu'on appelait tout à l'heure la biodiversité, c'est-à-dire mettre un nom sur les... Et quand on descend à l'échelle individuelle, eh ben, on se rend compte qu'on a encore le même niveau de diversité, quoi. Et ça, c'est absolument incroyable. Et en fait, on sort de cette vision très anthropocentrée, de dire, voilà, bon, bah oui... les chamois sont tous des chamois, ils sont tous pareils, les cerfs ils sont comme ça, les renards ils sont autrement, mais quand on se rend compte qu'ils ont des tempéraments, ils ont des personnalités. Singularité du vivant. Singularité, exactement. Ouais. Et cette collection du coup? Eh bien enchaînons. Ouais. Nous publions une collection monographique. on les appelle les monographies, même si en interne, on n'a pas osé, on l'a baptisé, puis on ne sait pas pourquoi on n'a pas osé casser la bouteille de champagne un jour. J'ai eu du mal à faire l'inventaire des noms de collections, parce que j'ai l'impression qu'il y a des collections qui ont commencé, qui se sont arrêtées, ou alors qui attendent un nouveau titre. Alors Vincent, on pourra en reparler tout à l'heure. Alors, celle-là, elle est bien individualisée, elle a sa charte graphique, on les reconnaît. Ouais, on a une dizaine de titres. Pour les plus anciens, ils sont en train d'être réédités. Le public? Le public, c'est vous qui allez me le dire. L'esprit, c'est que on va aller chercher des personnes qui ont étudié une espèce et qui font référence. D'ailleurs, souvent, c'est des scientifiques qui arrivent en fin de carrière, qui ont étudié, là pour la gélinotte ou le chamois, pendant 40 ans, une espèce qui connaissent tout de A à Z. Ils sont capables de nous décrire dans le moindre détail les traits de vie de cette espèce. Et on va aborder des questions aussi de conservation, d'habitat, qu'est-ce qui fait que dans l'écosystème, il y a des changements qui influent sur la régression des populations, pourquoi, voilà, etc. Et on va remonter aussi dans la paléontologie, d'où vient cette espèce, quelles sont ses relations phylogénétiques, c'est-à-dire quels sont ses ancêtres, où est-ce qu'elle est présente, etc. Voilà. Associé à ça, on va également... Alors ça, c'est l'exemple d'une petite espèce de poule forestière qui vit ici. J'ai choisi ce titre parce que c'est une espèce qui est relativement abondante ici dans la région, extrêmement discrète. Je suis quasiment certain que personne parmi vous ne l'a jamais vue. Et l'idée, c'est de pouvoir entrer dans l'intimité de ces espèces extrêmement difficiles à observer. Et donc, à travers la présentation du livre, l'iconographie aussi, qui est extrêmement riche. Et donc là, on a fait appel aux talents de photographes qui vont nous présenter l'espèce dans... Voilà, on peut peut-être l'avoir vu en pensant à un faisan, parce que la robe est... Oui. Alors, la forme n'est pas... Elle est plus ronde, quoi. Enfin, le plus... C'est gros comme ça. Ah oui, c'est tout petit. C'est tout petit. Ouais. Ça vit vraiment dans les taillis, très fermés. Vous avez peut-être pu... Si vous avez dans la famille, ou si vous-même vous êtes chasseur, vous connaissez la bécasse. Donc voilà, on peut confondre avec une bécasse lorsqu'elle s'envole, mais c'est un animal qui est extrêmement discret et qui ne se laisse pas observer. Sacré camouflage, quoi. Ah oui, c'est parfaitement mimétique. Ouais. Et donc par la photo, on va réussir à montrer l'espèce telle qu'elle vit, telle que vous la verrez jamais. Mais donc à travers le livre, on a ce passage. Et puis si je peux me permettre, je récupère. On a également une autre forme d'illustration qui est propre à la collection. Alors d'un auteur à l'autre, c'est pas toujours évident d'arriver à avoir cette approche de façon harmonieuse à travers la collection, mais alors, je vais en trouver une. On a des récits naturalistes. Donc là, on propose aux auteurs ou à d'autres personnes d'évoquer des scènes telles qu'ils les ont vécues, c'est comme si on était derrière leur épaule, quoi. En rencontre avec une jolie note. Voilà, c'est... alors là, ça fait peut-être pas rêver. C'est une poule des bois, quoi. Voilà. Mais je peux vous dire que pour des ornithologues, c'est un animal absolument mythique. C'est tellement... C'est le Graal. C'est rare. C'est tellement difficile à observer. Donc d'avoir quelqu'un qui partage un récit d'observation, c'est une forme d'illustration. Voilà. Et on en parlait tout à l'heure, quand on croise un animal sauvage, c'est souvent un moment tout bref, mais assez sidérant, qui laisse une empreinte, parce que c'est une rencontre instantanée et qui nourrit un... Ça peut être un moment de bascule qui va créer une passion chez quelqu'un. Ouais. La première rencontre, il y a des animaux comme ça, quelqu'un qui voit un ours pour la première fois, c'est un moment... Ça doit être particulier. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Comment ? Je peux témoigner. Voilà. Ah oui. Et il y a des gens qui en deviennent habités et qui vont vouloir y retourner sans arrêt pour revivre ce moment-là. C'est peut-être addictif, quoi. Voilà. Vous en avez vu où ? Au Canada. Au Canada ? Oui, dans les Rocheuses. D'accord. La première fois que j'ai vu une mère grizzly avec ses deux oursons. Ouais. Je savais que j'allais revenir au Canada, c'était il y a 20 ans et j'y retourne tous les ans pratiquement. Ben ouais, c'est dangereux. Je peux pas dire plus. Je peux dire plus. Non, mais là c'était dans le bon point aussi. D'accord. Une certaine distance. Voilà, donc la collection est construite de cette façon-là. Un autre exemple... Alors, curiosité, c'est une collection comme ça, c'est des tirages à combien selon les titres, on va tirer entre 1500 et 3000 exemplaires. Ouais, voilà. Okay. Sur un écoulement, sur... Alors, là, on va vraiment rentrer dans le livre de fond. Parce que je vois deuxième édition. Celui-ci, ouais, c'est la deuxième édition, la première édition... Il y a peu de choses sur les chats noirs. Ouais, et la première édition était entièrement vendue. Ouais. Les ventes, c'est sur 10 ans. Ouais. Celui-ci, c'est un ouvrage, c'est intéressant de l'évoquer parce que c'est une traduction. Donc on fait également des traductions. C'est un ouvrage, l'auteur est américain. Il étudie les abeilles en Amérique du Nord. Donc les colonies d'abeilles qui se sont installées en forêt, donc qui vivent à l'état sauvage. Et depuis 40 ans, lui aussi c'est un... Il est septuagénaire, il a fait sa thèse sur les abeilles en 1976, et depuis il étudie les abeilles de façon ininterrompue dans les forêts du nord des États-Unis. Donc l'abeille qui vit seule, c'est celle qui est la plus courante en fait, même en France. Alors c'est l'abeille qu'on a dans nos ruches. Hein. Ah d'accord. Voilà. L'abeille à miel, c'est celle qu'ont les apiculteurs. Et là il étudie les colonies qui vivent en sauvage. Voilà, ouais. Sans intervention humaine. Okay. Et il essaie de comprendre qu'est-ce qui guide leur choix, comment elles choisissent les arbres creux, comment elles surmontent l'adversité du climat, des parasites, et comment des colonies, en l'absence de toute intervention humaine, arrivent à survivre, alors que dans nos ruches, elles périclitent, elles meurent. Ouais. Et donc il tire des enseignements de ces études dans la nature, et sous forme aussi de conseils pour faire évoluer nos pratiques dans l'apiculture. Vous parlez d'une traduction. Il y a eu une époque dans l'édition scientifique, enfin, on faisait facilement une édition bilingue. J'ai un exemple là, ouais, que je pourrais vous présenter. L'ouvrage bilingue, alors c'est une facilité parce qu'avec un seul livre, on s'adresse à deux publics. Oui. Mais la personne qui achète le livre, elle a quand même l'impression d'avoir acheté la moitié d'un livre qui ne lui servira pas. Donc, et on ne peut pas le revendre. On ne peut pas le couper. On peut essayer de le massicoter, mais ça ne marchera pas bien. Donc, ouais, c'est toujours un peu délicat. Et il y a quand même toujours une frustration. Ce qu'on a fait là pour cet ouvrage qui est quand même une référence scientifique à l'échelle européenne, pour chaque monographie d'espèce, on a fait un résumé en anglais. Voilà, ce qui permet au public non francophone de pouvoir accéder au contenu de connaissances. Oui, c'est une petite référence, donc des voilà, chercheurs peuvent avoir un petit accès. C'est ça. Ouais. Et ça reste aujourd'hui des cas assez rares. Donc nous, dans la stratégie éditoriale, c'est qu'on va faire aussi, comme on liste des éditeurs qu'on a vus ce matin, c'est-à-dire sur des ouvrages qui font référence dans d'autres langues, on va acheter les droits pour en faire une traduction en français, quoi, pour venir s'insérer dans nos collections. Je vais parler, puisqu'on parle d'un ouvrage bilingue, c'est un ouvrage qu'on a conçu il y a une dizaine d'années. En se disant, depuis qu'on est gamin, c'est quand même le rêve, ce serait d'avoir dans un bouquin toutes les bestioles qu'on peut voir en France. Quoi. Et donc, on a réfléchi sur le contenu du livre, quel contenu on pouvait lui donner. On a travaillé avec plusieurs illustrateurs et on a fait un guide d'identification qui présente tous les poissons, les reptiles, les amphibiens, les poissons, les mammifères qu'on peut voir en France. Et comme la faune d'Europe de l'Ouest est quand même assez homogène, on a intégré les îles britanniques et le Benelux, et on en a fait un ouvrage bilingue. C'est-à-dire que là, vous avez les textes, les descriptions sont en français et en anglais, et les noms en néerlandais, allemand, plusieurs langues. Et la spécificité du livre, alors que je vous le fasse passer, c'est que pour tous les animaux, il y a des QR codes pour les mammifères, les oiseaux et les amphibiens, qui vous permettent d'accéder aux chants, aux cris des bestioles. Ok, sonore. Donc, voilà. C'est un petit bouquin qui marche bien. Et donc on va... Ça, le contenu augmenté, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on réfléchit à chaque édition, à chaque livre, un QR code, enfin... Alors, parce que les gens sont multi-contenus, multi... Alors, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas publier, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui voudraient qu'on mette tout dans leur livre, et on dit, bah ouais, les annexes, là, si tu veux, plutôt que de faire un livre qui va faire 1000 pages, peut-être qu'on peut se contenter d'en faire que la moitié, mais les 500 pages de tableaux techniques, on peut les en faire des PDF qui sont téléchargeables, parce que ça s'adresse qu'à des spécialistes. Voilà. Donc effectivement, c'est pas du contenu, augmenté, mais on va dire c'est pour des usages un peu techniques, on va proposer des téléchargements. Alors évidemment, tout ce qui est audio, aujourd'hui on est dans le téléchargement. C'est quoi, c'est avec une bibliothèque sonore naturelle qui est quelque part ou est... Oui, ouais, en fait là on a travaillé avec quelqu'un qui passait toute sa carrière à faire des enregistrements dans plein de pays différents. Et on a sa sonothèque. On est sur une base de données donc, à laquelle on accède via ces QR codes. Mais aujourd'hui, on a publié, je ne les ai pas pris parce que ce sont des ouvrages très techniques, des livres d'identification des oiseaux, où on a les cris qui sont en téléchargement sur notre site internet. Ou les chauves-souris. Alors là, on est dans l'ultrason, mais lorsque vous utilisez des appareils qui permettent d'enregistrer ces cris, de les transformer pour les rendre audibles, on a également des bibliothèques de sons avec lesquels on peut comparer ces enregistrements pour pouvoir identifier les bestioles que vous avez observées. Donc, c'est une tradition, je pense, qui est héritée du monde anglo-saxon, puisque les ouvrages auxquels j'ai en tête sont des ouvrages anglais. Il y a une très très forte tradition. Ça, c'est, on pourrait en parler, mais je ne sais pas si ça risque de faire une digression, mais... il y a une grande culture naturaliste en Angleterre qu'on n'a pas en France. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en France et en Allemagne, la tradition naturaliste est universitaire. Donc, ce sont des professeurs qui détenaient la science, qui la transmettaient à leurs étudiants, donc des mentors avec leurs jeunes padawans qui deviennent les futurs professeurs qui transmettent, etc. Une transmission universitaire. Au Royaume-Uni, ça existe aussi, mais également, et ça c'est issu de la révolution industrielle, lorsque les gens ont quitté les campagnes pour aller vers les villes et travailler dans les usines, ils se sont retrouvés avec du temps libre qu'ils n'avaient pas. Et le soir se réunissaient en sociétés savantes. Et il y avait une transmission qui relevait de petites sociétés savantes locales, donc amateurs. Ça existe un peu en France, mais à l'échelle du Royaume-Uni, c'est infinitésimal. Donc ça, je pense que là, de cette tradition, de la transmission orale, ensuite écrite... ça me revient pas en mémoire, mais un des best-sellers en littérature anglaise, c'est l'histoire d'une chouette, je sais plus le titre exactement, mais qui est connue par tous les Anglais quasiment. Oui, et puis la communauté des gens qui s'intéressent aux oiseaux en Angleterre, elle est, je sais plus, je vais pas dire la bêtise, mais c'est 100 fois plus numériquement importante qu'en France. Ouais. Ouais. C'est dans les mœurs. C'est des hobbies, vraiment, des gens qui sont passionnés par les plantes, par les insectes, par les oiseaux. C'est une vraie tradition, quoi. Ouais. C'est dans la culture. Donc à cette culture est associée une littérature abondante, ouais, qui a diffusée chez nous et qu'on s'est appropriée et qu'aujourd'hui, voilà, on a adapté aussi à notre propre culture. Donc là, ce guide-là, il est dans cette pure tradition de... Alors, on va présenter le catalogue des espèces de mammifères qui vivent dans le massif alpin. Et puis, donc, pour chacune des espèces, on va la présenter sous plusieurs pages, à travers des photographies, une carte de répartition, une petite symbologie là, qui présente rapidement en quelques symboles son écologie. Et puis ensuite, on va la décrire à travers son histoire naturelle, sa biologie, son comportement. Et ensuite, on présente les espèces les unes après les autres. C'est vraiment le guide d'identification traditionnel. J'en ai pas amené d'autres, mais bon, il faut savoir qu'on en a vu tout à l'heure avec Franck sur les plantes, on en a d'autres sur les insectes, sur les libellules, sur les criquets, les sauterelles, sur les oiseaux, les reptiles. Voilà. Dans une veine un tout petit peu différente, parce que je tire, il est là. Et là on reboucle un petit peu sur, de façon transversale sur des sujets qu'on a déjà évoqués tout à l'heure. Donc là, vous allez me dire, mais c'est encore les mammifères et on est dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc là, on a changé d'échelle. Donc là, c'est de nouveau un catalogue des espèces de la région, cette fois-ci. Et là, c'est issu d'un programme qui a été porté par, plusieurs associations régionales, donc d'inventaire. Donc la LPO, le GSM, c'est l'association qui étudie les mammifères marins, et puis l'association qui étudie les, chauves-souris en, région. Et donc ils ont capitalisé toutes leurs observations pour, dresser des cartes de répartition très précises de ces espèces. Et donc là, on va présenter au niveau régional, voilà, quelles sont les populations en présence, leur statut, est-ce qu'elles sont menacées Un inventaire, c'est un moment important. Je pense pour ceux qui étudient, mais aussi pour l'édition. On peut enfin tirer une synthèse, on peut enfin avoir un regard plus, plus précis. Déjà, c'est une motivation pour ceux qui réalisent l'inventaire. Ça génère une, ça centralise des énergies, c'est énorme. Ouais. C'est aussi une fierté d'avoir participé à ce genre de projet. C'est concrété sous forme d'un livre, c'est pas toujours le cas. Et puis, enfin, effectivement, ça sert de référence pour des décennies à venir. Voilà, on saura que... En 2016, lorsqu'on a sorti ce bouquin, la taupe aveugle n'avait été vue qu'une seule fois dans une vallée de notre département. Et puis peut-être que dans 20 ans, elle aura colonisé, ou alors elle aura plus jamais été revue. Voilà, parce qu'effectivement, le loup, il y a 10 ans, certainement qu'aujourd'hui, il a largement étendu son aire de répartition. Donc ça permet de suivre aussi l'évolution. Ces atlas, ces approches cartographiques, l'idée c'est vraiment de mesurer la présence spatiale des espèces et de voir comment elles évoluent. De toute façon, ça constitue de la donnée bibliographique qui sera réutilisable. Nous, moi je parle en botanique, on utilise des données bibliographiques de Dominique Schett ou de Dominique Villard. C'est des données qui ont 200 ans et qui sont toujours valides, et on compare toujours à ce qu'il a fait. Donc, ça sera la donnée bibliographique durant 100 ans. Ils n'avaient pas non plus la même méthodologie. Mais ils étaient extrêmement précis, extrêmement... leurs documents sont encore utilisables, évidemment. Il y a encore quelque chose à en tirer. C'est énorme, Et ce genre de travail, donc une vision globale à l'échelle des régions, ça permet de dégager aussi des enjeux en termes de conservation et d'influer sur des décisions, notamment politiques, pour dire, voilà, écoutez, non, cette espèce-là, rendez-vous compte, en France, elle n'est présente que dans notre région. Donc on a une vraie responsabilité, où elle n'est présente que dans votre département, ou encore que dans votre commune. Donc là, il va falloir faire quelque chose. C'est une chance qu'elle soit présente, en faire un atout, mais il va falloir... la responsabilité. La responsabilité, voilà, et on a vu, aujourd'hui, sur... des approches purement d'amateurs, des gens qui vont se balader le week-end, qui transmettent leurs observations. Du coup, ça rentre dans des bases de données. L'information est connue. Et le jour où il y a un promoteur de station de sport d'hiver qui veut étendre sa station, on sait qu'il y a une plante qui est extrêmement rare dans ce couloir d'avalanche. Et non, malheureusement, on ne pourra pas aller mettre un coup de bulldozer sans la détruire. Donc, on va donc influer les décisions d'aménagement. Créer une cohabitation. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle les sciences participatives, c'est-à-dire que tout un chacun peut participer à son échelle à l'observation, à rendre compte de l'état de la biodiversité. Ça paraît anodin. Quand on fait l'atlas des oiseaux migrateurs, ce sont les gens qui se baladent le week-end avec leurs jumelles. Et ah tiens, un groupe de pigeons, je le note, il y avait 30 pigeons à tel endroit qui volaient vers le sud, des rapaces, etc. Mais lorsqu'on capitalise toutes ces observations à l'échelle de la France, on parle de millions de données, on arrive à avoir des choses qui sont statistiquement, scientifiquement robustes. Alors qu'à l'échelle individuelle, c'est anodin, ça relève de l'anecdote. Mais dans la masse, ça devient quelque chose de... Et ça, c'est... alors évidemment, c'est l'ère du numérique qui a permis cette mise en lien, mais c'est extrêmement puissant. Et le livre demeure néanmoins une étape dans ces grands programmes qui sont dématérialisés. Ouais, c'est ça, j'aimerais dire, c'est quoi la place du livre? Bah, ce sont des balises, des marqueurs, ouais, ouais. Des jalons, exactement. Okay. Ouais. Et alors, je ne sais plus, je me répète, les... oui, si je l'ai dit tout à l'heure en introduction, mais moi je pense toujours quand même aux jeunes générations. Le livre, c'est toujours une porte ouverte, une fenêtre vers la nature et susceptible de créer des vocations de futurs naturalistes. Voilà. Mmh. Pas forcément d'éminents scientifiques, mais des gens qui s'intéressent, qui ont cette curiosité d'observer, d'être attentifs à ce qui les entoure. Quoi. Ouais. Alors, je vous ai dit qu'on était également diffuseur. Je vous parlais d'un livre qui n'a pas été édité par Biotope, mais par le naturographe. Oui, alors ça, c'est intéressant qu'on voit cette question. On a vu l'écosystème Acte Sud, hein, qui était par des oui. participations. Alors là, c'est de fond, hein, chez oui. des éditeurs. Oui, qu'est-ce qui peut exister comme type de contrat d'alliance ou de couple, d'association ou de... Alors, nous, ça vient de... à la base de notre catalogue, alors je ne sais pas si chacun l'a vu ce catalogue. Vous l'avez tous? Je vous ai parlé de la vente directe tout à l'heure. On a commencé par proposer des ouvrages aux personnes qui avaient déjà commandé des ouvrages chez nous, donc on leur envoie ce catalogue et il y a nos titres. Aujourd'hui, on a une offre éditoriale, mais il y a 10 ou 15 ans, on n'avait quand même pas beaucoup de titres, donc on enrichissait l'offre. Catalogue avec d'autres des éditeurs qui se sont rendus compte qu'on avait quand même finalement une audience assez intéressante et progressivement ça a pu évoluer vers là on fonctionnait en mode libraire tout simplement et on a évolué tranquillement vers une relation plutôt de diffuseur, voilà. C'est-à-dire que les structures qu'on a développées avec notre distributeur donc, qui est l'Asodis, le groupe Canimar, donc qui stocke nos livres et les... Le distributeur, celui qui fait la distribution matérielle. Ouais, logistique auprès des libraires. Et le diffuseur, celui qui communique en fait sur... C'est un peu le métier que tu fais, hein, de faire savoir que le livre existe, donc auprès des libraires, d'aller rencontrer les libraires, présenter le catalogue que vous avez dans les mains, et donc il y a nos titres, mais également ceux d'autres éditeurs. Donc là on a signé un contrat de diffusion, et donc on s'engage à présenter leurs livres auprès des libraires partout en France. Et donc progressivement, chaque année, un ou deux éditeurs viennent nous voir pour savoir comment on fonctionne, est-ce qu'on est content, pourquoi on a aussi changé de modèle, puisqu'avant on était chez un diffuseur professionnel hein, qui a pignon sur rue, c'est le groupe Pérol avec Géolif. Et si je me le rappelle, je m'excuse, mais j'ai dit peut-être tout à l'heure dans une discussion avec quelqu'un. Ces grands diffuseurs qui font un métier, qui sont extrêmement bons dans ce qu'ils font. Hein. Mmh. Mais les représentants, ils ont tellement de nouveautés à traiter que lorsque nous, on arrive avec nos 10 petites nouveautés par an, ben déjà on est submergé dans un magma de nouveautés. Ils n'ont pas le temps de les présenter. Et surtout, ce qui fait notre force, c'est que nous, on fait des ouvrages de fond. C'est-à-dire que nos livres, ils vont se vendre sur 5, 10, 15 ans. Mmh. Et eux ne raisonnent que nouveautés. Mmh. Donc, et tous les éditeurs qui travaillent, on est tous confrontés à cette même problématique. Nous, nos représentants, ils n'ont pas de problème à dire. Voilà le palmarès des ventes du diffuseur Biotope. Je ne vais pas rentrer dans les grands secrets de la maison, hein, mais on fait 60% de notre chiffre d'affaires sur des livres qui ont plus de 2 ans. Donc ça vous donne tout de suite le niveau. Oui, c'est presque l'inverse. La nouveauté, c'est pas anecdotique, hein, c'est 40 c'est rien. Mais le fond, c'est ce qui nous fait vivre. Voilà. Qui est associé dans les librairies, dans un fonds régional, quand c'est localisé ou qui est... Les libraires, ils ont extrêmement de mal parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure aussi, la stratégie d'encombrement. C'est-à-dire qu'il y a une telle profusion de nouveautés, ouais. Parfois au détriment de la qualité. Mais qui occupe les rayons et puis la trésorerie aussi hein, des libraires, ça fait que bah, au final ils ont des difficultés à... Mais on sent qu'il y a un mouvement balancier, il y a un mouvement retour et quand on leur dit mais... parce que nous on a des chiffres, on a des stats de tous nos bouquins hein. Regardez ce livre, j'en vois la même quantité année après année depuis 10 ans. Prenez-le en rayon, je vous garantis, il va partir. Vous n'êtes pas un ovni dans le monde. Voilà, et alors ça a du mal, mais progressivement ils se rendent compte que. Parce que finalement ils prennent des livres et puis ils les remettent dans des cartons et ils les renvoient. Hein, donc ils ne sont pas vendus. Par contre, on ne sait jamais celui qu'on n'a pas, son potentiel de vente et celui qu'il pourrait rencontrer. Ouais, c'est compliqué. Hein. Quand je me déplace. Mais le problème, c'est la trésorerie, comme vous l'avez dit, pour les libraires. Là, j'ai amené quelques livres aujourd'hui, on fait des salons, on remplit ce que la voiture peut contenir. Donc, on en amène un maximum. Vous avez des piles de livres, et puis au bout de 2 heures, il y en a une qui a disparu. Ah, si j'avais su, j'en aurais plus Et la boule de cristal, elle n'existe pas. Donc, il n'y a que ceux qu'on a pu amener, il n'y a que les livres dans le rayon libraire qui peuvent être vendus. C'est comme moi quand je vais sur un salon. Et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Avec la concurrence aujourd'hui de se dire les gens ne trouvent pas en librairie, donc ils iront sur un site. Ça, et du coup, ça déséquilibre grandement. Mais c'est aussi pour ça que les libraires. Parce que quand on dit les libraires, c'est comme la biodiversité. Hein. Il y a une telle diversité de situations que. Mais ils sont attentifs aussi à notre discours. Qui est basé sur une réalité économique, hein, parce qu'on pourrait parler d'écologie aussi, quelle est l'écologie, notre approche écologique du livre, etc. Mais faire des nouveautés pour des nouveautés, je dirais, je pourrais faire un deuxième livre sur les chauves-souris, ce serait une nouveauté. Mais qu'est-ce que je pourrais dire de plus que ce qui n'est pas dans ce livre-là, quoi. Et du coup, sur les loups, celui que vous montrez, pour avoir un exemple... Alors, ça c'est un ouvrage... Ça me fait plaisir de le présenter parce que c'est un ouvrage. On va changer d'approche. Oui, ça tranche complètement. Ouais. Alors, graphiquement, l'objet est quelque chose de très différent. C'est presque un cahier de papeterie. C'est un objet extrêmement intéressant à tout point de vue, d'un point de vue graphique. Mais c'est surtout le contenu. Il y a des vides aussi. Ah non, mais il y a du blanc. C'est extrêmement audacieux. C'est extrêmement audacieux dans sa mise en page. Dans la couverture aussi. Il y a un graphiste, un illustrateur sur le projet ou... Ça veut dire que le naturographe lui-même. C'est l'éditeur qui s'est fait plaisir. Hein. Okay. Suzanne Zach, c'est une dame que je ne connais pas, qui est de la région d'ici, hein, et qui s'est mis en tête de voir des loups. Donc elle est partie dans la montagne, comme Vincent Munier et Sylvain Tesson sont partis en Himalaya pour aller voir la panthère des neiges, et elle nous fait la narration de sa quête, à travers des récits poétiques et des dessins qu'elle a pu faire, ou des photographies. Et je peux vous dire que dans le monde naturaliste, on n'est pas forcément très rustre, mais plutôt quand même rustique. C'est-à-dire on n'est pas des poètes, quoi. On n'est pas versé dans la littérature, dans la poésie. Quand on m'a présenté ce livre, je dis bon, un livre de poésie. Mais quand je lis ces petits recueils, là, je suis avec elle sur le terrain, je vois ce qu'elle voit, j'entends les feuilles dans les arbres, je vis la tempête avec elle lorsqu'elle est dans sa cabane de berger à attendre que la bourrasque soit passée. Il y a des rencontres autres que le loup aussi. Hein. Ah avant de voir un loup, je peux vous dire, vous allez en voir des choses. Ça, je vous le garantis. Il y a toujours la chance du débutant, c'est-à-dire vous sortez de la bagnole, il y a un large, c'est pas prêt à se reproduire. Ça, non, mais il y a la trace aussi. Oui, bien sûr, mais c'est une quête, c'est vraiment une quête. Sur un territoire qui est vaste ou... Ça se passe ici, hein, c'est dans des vallées un peu reculées de la région. C'est extrêmement intéressant. C'est réussi. Voilà. Parce que parfois, des personnes qui s'essayent à la poésie, c'est un peu... c'est compliqué de s'improviser Victor Hugo, mais elle, c'est sans prétention, mais c'est vraiment chouette. Vraiment chouette. Un petit peu clair, comme un carnet de voyage en quelque sorte. Alors, vous avez des cahiers techniques? Je ne les ai pas pris parce que je me suis dit que... Mais c'était une faute de... J'avais pas bien pigé en fait l'essence de la journée. J'ai pas pris un échantillon de nos livres, j'ai pris des ouvrages qui s'adressaient à votre région. En fait, oui, et puis un peu pas grand public, mais quand même... Donc, le cahier technique, si vous voulez... Ils veulent les cahiers techniques. C'est pour savoir comment c'est fait. Alors, si vous voulez, c'est un hybride entre le guide des mammifères, là, et puis la clé botanique, le bottin téléphonique. L'idée, c'est de... c'est d'avoir des informations très techniques, très pointues, mais de façon illustrée, et de faire en sorte que le dessin qui accompagne le descriptif vous permette à tout un chacun de faire abstraction de la terminologie, du jargon, parce que nous, on est, dans chaque discipline naturaliste, on a des jargons, les gens qui étudient les insectes, ils ont des termes très techniques pour décrire toutes les parties anatomiques du corps, et celles qui décrivent les sauterelles ne sont pas les mêmes que celles qu'on utilise pour les libellules, etc. Donc, si vous n'avez pas ce bagage-là, sans l'image, sans le dessin, c'est hermétique. Voilà, donc c'est... L'idée des cahiers techniques, c'est de démocratiser en fait cette approche et de vous permettre d'identifier les bestioles que vous pouvez rencontrer. Parce que lui, on peut le mettre dans sa poche quand on reste sur... Alors, on reste sur du 16,5-24, hein, donc on reste dans ce format-là. Mais voilà, on va être dans ce format-là, en termes d'épaisseur et de forme. On va mettre le poids en fait. Non, c'est pas utile. C'est pas utile. On fait quasiment, c'est un flot continu, le mythe du guide de poche. Je ne sais pas qui a les poches assez grosses pour prendre les bouquins. De toute façon, c'est... Sac à dos. Ça n'existe pas, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Aujourd'hui, voilà, soit on prenait des échantillons, soit on fait des photos. Il faut toujours avoir un livre avec ça, parce qu'il y a plein de moments où on peut se retrouver. Oui, alors, on a toujours le téléphone. Plutôt un bouquin comme ça, quoi. Avec un livre, on est toujours... J'en ai quoi à la rencontre, c'est marrant... Souvent, ça passe par regard, là. On prend un animal sauvage et je vais vous faire passer. Mais le téléphone, ici, dans la région, quand on se promène, il y a un moment donné où tu n'as plus de réseau. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir un livre. Mais il faut toujours avoir un livre avec soi. Et un plan. Je vais les découvrir. Par quoi je... On a eu... Peut-être parler un peu des jeux. Ouais, si vous voulez venir, il est disponible ou... Alors, en deux mots, dans notre catalogue de vente, on avait les jeux Bétula, qu'on a découvert à l'occasion d'un salon. Donc c'est une femme, Mme Exbraya, qui a créé cette ligne de jeux, qui était basée près de Chambéry. Donc elle a essayé de concevoir une série de jeux nature, sur le thème de la nature, pour découvrir... les écosystèmes, la faune, en s'amusant. Ce qu'elle a plutôt bien réussi, à travers un certain nombre de jeux. Et donc là, elle a pris sa retraite, hein, et elle s'est adressée à nous pour savoir si on était intéressé pour reprendre la suite et de faire vivre sa collection. Donc là, c'est un jeu qu'elle a conçu, et il y en a toute une série. Et donc ça, c'est le premier jeu qu'on a édité nous, par nous-mêmes. Donc c'était en lien avec la sortie du livre sur les oiseaux migrateurs, sur ce livre-là. On a voulu faire un jeu qui était sur la thématique. Et donc, l'idée là, c'est que c'est un jeu de plateau, je vais vous présenter très rapidement. Je vais fâcher un éditeur scientifique, mais c'est un produit dérivé. Comment vous concevez ça? Enfin, c'est que le jeu peut être aussi... Le jeu, c'est un vecteur ludique qui va toucher un public complètement différent. Il n'y a pas de lien en fait en vrai. Nous, il y a un lien d'actualité, c'est-à-dire quand on va sur un salon, on va créer un espace migration, voilà, mais les deux produits auront une vie complètement séparée, différente. Donc l'idée c'est que on va suivre les voies migratoires des oiseaux. Donc, qui se reproduisent en Europe du Nord, et donc ils vont traverser l'Europe à travers différentes voies migratoires pour atteindre leur quartier d'hiver en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est basé sur une réalité biologique, hein. Les espèces, elles existent vraiment, les voies migratoires, c'est celles qu'elles utilisent, les endroits où elles hivernent, c'est là où elles hivernent, et puis à travers leur trajet migratoire, elles vont rencontrer un certain nombre d'adversités, des tempêtes, la fatigue, des prédateurs, des chasseurs, des colis, des risques de collision. Et donc, à travers l'aventure, comprendre les conditions de vie. Donc vous incarnez une espèce d'oiseau et vous allez devoir développer votre stratégie de migration, c'est-à-dire définir vos étapes, savoir vous arrêter au bon moment. Et en fait, là, ça reste un jeu de course, hein, l'émulation entre les joueurs, d'être le premier à rejoindre vos quartiers d'hivernage. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de façon comme on peut faire. Pour quel âge? Là, c'est à partir de 8 ans, mais c'est juste pour adultes après. Vous incarnez l'espèce et donc vous allez pouvoir choisir aussi votre stratégie. C'est en fonction de l'altitude de vol, les adversités ne sont pas les mêmes. Et donc les espèces ne sont pas toutes sensibles de la même façon. Il y a des espèces qui sont chassées et d'autres qui ne le sont pas. Donc si vous avez choisi une espèce qui n'est pas chassée... il y en a qui prennent des plombs libérés. Bah, voilà, donc lui, le rouge-queue à front blanc, bah, lui, les chasseurs, ils s'en fichent, mais c'est un petit oiseau qui est quand même assez menu. Donc les tempêtes, bah, lui, il va être très vulnérable au gros coup de vent. Donc voilà, donc si un avis de tempête, il vaut mieux se poser pour pouvoir capitaliser son trajet, quoi. Voilà. Donc c'est aussi une façon assez amusante de découvrir des espèces qui existent vraiment. On se rend compte qu'elle peut être aussi particulièrement sympa et colorée. Voilà, puis des espèces qu'on connaît bien, comme l'hirondelle, la cigogne. Voilà. Donc, la botanique, ça ouvre à... On disait un loup, il faut se lever tôt pour le rencontrer, ou alors le pur hasard, mais ça ouvre aussi à d'autres observations, d'autres disciplines. Oui. Ouais. Bah oui, moi le loup, je l'ai observé plusieurs fois en se faisant des sorties botables. Oui, ouais, tout à fait, ou des observations entomologiques. Oui, c'est vrai qu'on est... Moi, je ne suis pas entomo, mais je prends beaucoup de photos d'insectes également. Oui. Ouais. Ouais, ouais. On fait des rencontres, ça c'est sûr. Ouais. Moi, je suis venu à entomologie par la botanique. Ouais. Déjà, cette relation, cette intimité entre les pollinisateurs et les plantes, il y a quand même un niveau de complexité qu'on a... On en parle tous, hein, mais... C'est difficile à l'appréhender, quand on est vraiment dedans, on se rend compte que c'est incroyable, quoi. Encore une fois, c'est des millions d'années de coévolution, ça nous échappe complètement, quoi. Comment on dit, mais comment c'est possible que cet insecte-là, il ne butine que cette espèce? Mais en fait, ça fait 30 millions d'années qu'ils sont comme ça, quoi. Donc c'est pas de hier, quoi. Il y a des morphologies florales qui sont liées à des insectes. Des tailles de langue. L'anatomie du label de la fleur est adaptée à la longueur de la langue de certains bourdons. Voilà. Et là, on parle de quoi? D'alliance? C'est-à-dire, l'un aide à polliniser la plante, à nourrir la plante. Oui, de nourrir en même temps. D'association. De mutualisme, de symbiose parfois. Si on est dans la Startup Nation, c'est du win-win. J'avais pas compris ça comme ça. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait un panorama assez fidèle de ce qu'on fait. On a un jeu sur les champignons qui est assez proche de celui de la migration. C'est-à-dire que l'idée, c'est de en jouant, on va découvrir les notions de champignons comestibles, toxiques, et même s'ils sont dessinés de façon un peu rigolote, on les reconnaît bien, on reconnaît bien le cèpe, la girole, la mamite, etc. Et donc de façon, tout en s'amusant, à maîtriser des notions qui peuvent être simples, mais aussi complexes. Voilà. Merci beaucoup. Ça permet de comprendre un petit peu ce qu'est l'édition scientifique aujourd'hui. S'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, que sur lesquelles vous souhaitez qu'on revienne, vous avez compris qu'on était intarissable. C'est un monde particulier, c'est vrai. Si vous voyez quelqu'un à quatre pattes dans un fossé sur un bord de route, voilà. Maintenant, on va trouver ça normal, quoi. Tout à fait. Maintenant, on va le saluer, on va descendre, on va se mettre à quatre pattes aussi. Oui, on se reconnaît comme ça entre nous. Ouais, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, très particulière. Avant d'être éditeur, on est d'abord passionné par la nature. Et moi, j'ai la chance de faire les livres dont je rêve depuis que je suis gamin. Ou de contacter des auteurs qui ont été les auteurs de livres qui étaient mes livres de chevet quand j'étais adolescent. C'est quoi le slogan? C'est l'éditeur par nature? Éditeur par nature. Ouais, ça va être trop déçu. Bon, c'est pas trop compliqué. Pardon. Non, c'est une blague. Oui, donc... nous sommes les premiers lecteurs de nos bouquins, quoi. Et le niveau d'exigence, c'est répondre à nos attentes, à nous en tant qu'utilisateurs, et de se dire, voilà, bon, on essaie d'être à peu près représentatif de notre cible, on va dire, de lectorat, en pensant aussi à nos enfants, à notre entourage qui n'est pas aussi pointu, quoi, mais voilà. J'espère que cette passion-là, on la retrouve aussi dans la qualité, dans l'audace aussi, un peu éditoriale, des titres qu'on peut faire. C'est apprendre à voir, à percevoir un petit peu, en quelque sorte. J'ai fait un peu d'histoire là et c'est vrai que... Enfin, oui, la taille d'une fenêtre, ça peut paraître comme ça. Pour certains, même si la fenêtre est petite, c'est pas très grave. Mmh. Pourtant, ça compte, ça veut dire quelque chose. La maison sur la cascade, elle n'a pas d'angle, elle s'ouvre complètement sur la forêt. Non mais c'est apprendre à voir, à percevoir les choses un petit peu différemment, à comprendre les choses. Aujourd'hui, il faut redécouvrir la nature. On est, on le veuille ou non, même en vivant un gap dans un environnement, vous pouvez pas imaginer ô combien... On est dans une mecque du naturalisme. Oui, mais en même temps, à l'œil nu, ce que je veux dire, c'est pas... on distingue pas beaucoup. Non, non, enfin, le décor, on a des problèmes de riches au niveau naturalisme. Le décor, c'est ce que je veux dire, c'est le décor est magnifique, mais néanmoins, nous sommes des animaux citadins, quoi. Voilà, ouais. On vit dans un espace qui est artificialisé, et la nature, c'est quelque chose qui est accessible à tous, qui est gratuit, mais il faut se donner le temps. Voilà. La première chose, c'est de prendre le temps. Si on... Il y a des gens, j'adore la nature, je fais du trek, ou je fais de la course à pied. Ouais, d'accord, mais donc tu es un consommateur d'espace. En ville, c'est pas mal la course à pied pour... Mais tu... En fait, tu vas courir en montagne ou tu vas courir en forêt, de temps en temps tu vas tomber sur un chevreuil, tu es super content, mais en fait tu vois rien. T'en vois plus en regardant un reportage animalier sur Arte. Donc prendre le temps, se poser. On disait tout à l'heure, se balader avec un naturaliste, c'est l'enfer. J'ai fait des randonnées naturalistes, au bout de 4 heures, on avait fait 400 mètres depuis la bagnole, quoi. Ah oui, oui, c'est classique. C'est classique, hein. On s'était arrêté à chaque fourmi, chaque champignon, chaque fleur, ouais. Ah oui, tout pris en photo. Elle arrive une bouse de vache, et là c'est la merveille. Là, 2 heures après, on gratte encore. C'est comme un gâteau, quoi. Oui, oui, c'est fou. Donc, prendre le temps. Alors, il ne faut pas forcément tomber dans cet excès, mais... Non, non, mais... Mais voilà, prendre le temps de se poser, de s'émerveiller sur des choses simples. Et puis après ça vient tout seul, quoi. Mais c'est moi je fais des sorties avec des enfants, oh, les oiseaux, il n'y en a plus d'oiseaux. Bon, okay. On sort de la classe, on est dans la cour de l'école. Est-ce que vous voyez des oiseaux? Non. Vous êtes sûr? Il n'y en a pas? Non. Et qu'est-ce qu'on entend? Ah oui, il y a un oiseau. Il est où? Voilà. Et on regarde là, tu vois, sur le toit là, sur l'angle le pignon, là, c'est celui qui chante. Et puis regarde là-bas, ah oui, et puis là, et encore là. Et en fait, apprendre à voir, quoi. Voilà, apprendre à observer, ouais, aiguiser son œil, sa curiosité. Ouais. Quand vous allez vous balader avec un botaniste comme Franck ou d'autres personnes, vous allez être ébahi parce que ces personnes-là vont vous montrer. Vous dites, mais ce gars-là, il a un œil bionique. Pas du tout. En fait, on a la même acuité visuelle. Simplement, on connaît les animaux, on sait où il faut les chercher. C'est-à-dire que vous allez regarder à 360 degrés, vous allez balayer dans tous les sens. Nous, on va chercher à tel endroit dans la falaise, je suis susceptible de voir tel et tel. Donc, je vais chercher sur des motifs, le moindre indice sonore, visuel, je vais l'exploiter. Donc, ça, c'est un apprentissage. Donc, derrière le côté, après, quand on se rend compte que non, cette personne n'est pas bionique, elle est juste normale, mais elle s'est exercée, elle a pris le temps, et après, voilà, d'être capable aussi de s'émouvoir devant un papillon qui butine une fleur, quoi. Parce qu'à côté, on ne voit pas. Ce que vous dites, c'est, on a parlé d'édition jeunesse ce matin chez Guimard, c'est Mettler, je crois, qui fait des dessins de paysages, on apprend dans le paysage à distinguer différents endroits. Ça peut paraître un peu naïf, mais c'est la base de la construction naturaliste, quoi. De faire des associations d'idées. J'arrive sur une lisière forestière, c'est souvent là qu'on voit un chevreuil. Et hop, tiens, comme par hasard, il y a un chevreuil. Si je ne m'étais pas dit, tiens, je ne m'étais pas préparé psychologiquement au fait que c'est possible que je fasse cette rencontre-là, on continue à papoter, et puis le chevreuil s'est barré et on n'a rien vu. Et c'est... Dit comme ça, ça paraît anodin. Et les fleurs, il y en a que dans les prés? Oh, il y en a partout. Ouais. Partout, ouais. Non, il y en a dans tous les milieux, dans l'humide, dans le sec. Il y a la rigueur que dans le noir qu'il n'y en a pas, quoi. Mais voilà. Et encore. si on sort là, sur les pavés en béton... Ah, mais entre les autobloquants dehors, il y a... dans les fissures, oui. Vous avez trouvé des plantes. Oui, oui, il y a 5-6 espèces qui poussent entre les pavés autobloquants. Hein. Des sagines, des poas, des choses comme ça, oui. Ouais. Alors, en ville, sur les trottoirs de Gap, on doit bien en trouver 25 ou 30. Ouais. D'accord. C'est pas des choses exubérantes, donc, mais c'est des choses singulières qui ont une capacité à pousser dans un caniveau... c'est une faculté d'adaptation qui est quand même assez importante. On arrête là ? Comme vous voulez. Merci beaucoup. Vous avez des questions ? Non, on va aller se promener, c'est tout. Vous allez... Demain, vous prenez votre sac à dos, votre casse-croûte, vous partez derrière chez vous, vous faites 400 mètres, vous essayez sous un arbre et vous attendez et vous allez forcément voir quelque chose. Quoi. Il se passe tout le temps, partout quelque chose. Quoi. Et après, il faut être capable de s'émerveiller devant des spectacles simples. Hein. Oui, c'est ça. Un escargot sur une feuille, une abeille sur une fleur. Parfois, c'est... Ma femme me dit, mais tu fais encore des photos de mouches? Ah oui. Je l'avais encore jamais vu. C'est pas que t'as ta bouche comme discipline. Le confinement était un moment pour certains très difficile, mais à titre personnel, j'ai vécu comme quelque chose de fondateur. Les naturalistes n'échappent pas à tout. Enfin, on est des êtres humains comme les autres. Je vais voir des oiseaux, je prends ma voiture, je vais là où on voit des oiseaux, j'habite dans l'Hérault, je vais sur le littoral, dans les lagunes, je vais voir des oiseaux. Au printemps, je sais que dans l'Écosse, on est au bord du Larzac, je vais refaire 50 km, je vais sur les contreforts du Larzac, c'est des coins absolument extraordinaires, à tout point de vue. Ouais, bon, bah là, pendant 2 mois, on était bloqués, j'avais la chance d'avoir un jardin, mais on ne pouvait pas sortir. Bah, j'ai redécouvert mon jardin. Et je suis rentré dans des choses dans lesquelles j'étais passé à côté depuis 40 ans. Bon, psychologiquement, c'était un échappatoire, mais moi, j'ai très bien vécu, quoi, parce que j'avais cette chance de pouvoir m'émerveiller devant 3 bricoles. Et à chaque fois que je sortais dans mon jardin, le challenge, c'était de retrouver quelque chose que j'avais encore jamais vu, quoi. D'habitude, c'est nous qui allions à eux, là, c'est eux qui venaient à nous. Mais non, le pire, c'est qu'ils ont toujours été là. Oui. Mais en tant qu'empressé, je passe à côté sans les voir. Voilà. Puis le silence les dissimulait en quelque sorte. Alors il y a eu ça un peu, ouais. Pour les oiseaux, ça a bien marché, effectivement. Ouais. Ouais. Mais ces petits insectes qui viennent grignoter les feuilles de haricots, les butinés, les fleurs que j'ai mis pour les papillons, je n'ai jamais regardé autre chose que les papillons qui venaient sur les fleurs. Ouais. Et on se rend compte qu'il y a une diversité. La nature s'aime avec la paresse, quoi. Ou avec le dilettantisme. Ça peut être un sport de paresseux, ouais. Voilà. Si quelqu'un s'intéresse aux insectes, vous pouvez le soupçonner d'être un petit peu flemmard. C'est pas un grand marcheur. Mais même s'il vous surprendra d'aller chercher, monter à 3500 mètres, parce qu'il sait qu'il y a un papillon qui ne vit que là-haut. Et là, d'un seul coup, il va être capable d'avaler 1000 mètres de dénivelé. Pour aller voir ce papillon, quoi. Ouais. Et pas de chance, il a déjà fait son cycle biologique, on arrive trop tard, il faudra revenir l'année prochaine. En tout cas, merci pour votre attention. Merci, et puis, merci à vous. Bravo pour votre métier aussi, de passeur de sciences, à votre échelle, de passeur de connaissances, la culture du livre, c'est quelque chose qui est précieux, qui a une richesse pour nous. En France, à travers le réseau des libraires, des médiathèques, je pense qu'on ne mesure pas la chance qu'on a. Pour ceux qui ont voyagé un peu, on peut aussi avoir touché ça un peu du doigt, quoi, mais, et encore une fois, je ne connais pas de naturaliste qui n'ait pas découvert sa vocation dans un bouquin. Mmh. Ou au contact de personnes, de mentors qui ont ouvert des volets, des fenêtres sur des pans. Ouais. Mais la culture, elle se construit dans les livres. Quoi. Si vous pouvez proposer aussi des animations dans le cadre de petites sorties thématiques qui associent des classes ou Vous allez... L'idée, c'est pas de créer des armées de jeunes naturalistes, hein, mais d'avoir mettre la petite étincelle qui manque sur les gamins qui n'auront jamais la chance d'être au contact quoi, par leur environnement familial. C'est des choses à faire. Et vous ne serez jamais déçus parce que les enfants sont des curieux de nature. Non, oui, c'est des éponges. Ils sont capables de s'émerveiller devant des choses qui nous paraissent encore une fois banales. Et si on a la LPO avec qui on peut faire des animations, elles sont vraiment chouettes. Hein. Oui, oui, mais ça fait partie d'une bonne dynamique avec les enfants qui sont demandeurs. Si vous avez des CE1, CE2, là, c'est les pires de tous. Ils sont à fond, ils démarrent au quart de tour. Du coup, vos randonnées en montagne, c'est des randonnées botaniques aussi? Oui, en fait, moi j'ai une activité particulière. J'ai créé une agence de voyage qui est dédiée à la botanique et on fait des stages de bota, uniquement de la bota. Donc ce qui fait que je marche de moins en moins, du coup. Pour les problèmes évoqués par Jean-Luc, justement, parce qu'on s'arrête tellement, on regarde tellement que voilà. Donc moi, je n'encadre que des stages pour des passionnés de botanique. D'accord. Voilà. Leur faire découvrir un spot ou un... Ouais, voilà, ouais, des itinéraires qui sont souvent pas très très courts, où il y a une grosse variété. C'est vraiment pour des fondus de botanique. D'accord. En France, en Espagne aussi. D'accord.